Bonsoir Paris! Coucou tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez tous super bien. Moi personnellement ça va pas trop. Je crois que vous avez lu le titre de cette vidéo et honnêtement je suis un peu énervée. Je trouve que vous abusez quand même un peu certains. Je parle pas de mes legends, mes abonnés, mes puces. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est sorti une vidéo Fenty Beauty sur la... Mais tu fais quoi ici? Je t'assure quand même, j'ai un RDV. Je t'assure. Non, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Je vois pas, j'ai des appels à faire, j'ai dit. Ah bon? Bref, donc comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la collection de Fenty Beauty de Rihanna, Robin Rihanna Fenty, où j'ai testé la collection, etc. Et pour certains, c'était assez choquant. Donc je peux comprendre que vous avez un peu chou comme votre... Ah, il se maquille parce que... non en fait j'arrive même pas à comprendre ça, je suis désolée. Donc voilà, moi j'ai testé le maquillage, c'était bon enfant, c'était cool, je me suis amusée, c'était chill. Je pensais que les gens allaient trouver ça cool. Moi je pensais qu'on était en 2017, qu'on pouvait genre... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, donc pour vous montrer que j'hallucine pas, je vais vous mettre ici des commentaires méchants que j'ai pu recevoir sur cette vidéo que j'ai faite. Du grand n'importe quoi, vraiment, et je vais essayer d'y répondre si j'ai la foi, honnêtement, mais déjà regardez ces rats qui ont parlé mal, vous n'avez pas autre chose à faire, je vous avais dit dans la vidéo en plus, et vous avez fait quand même, anyway, attends je screen ton truc là, donc monsieur Léopold me dit, bientôt ça sera la mode des youtubeurs beauté, et puis, et donc, pourquoi c'est un problème avec ces trois petits points dramatiques? Harry, c'est la fin du monde. Un peu de quand même, s'il te plaît. Ça devrait pas te poser problème qu'il y ait des youtubeurs qui se maquillent, c'est bien. Des hommes qui s'affirment. Et même, enfin, je sais pas, genre, il veut se maquiller, Funx. Donc on a Team Hassani. Team Hassani, by the way. Bichette, elle va le parler. On est en 2017, évoluer, PTDR dans quelques centaines d'années, ce sera la fin des temps, donc continuez à évoluer si vous voulez. PTDR, bande d'inconscients. En quoi le fait qu'un garçon porte du maquillage, ça va affecter ce qui va se passer dans le monde? Quand tu tries pas tes poubelles, tu fous la main dans l'écologie, il y a les icebergs qui coulent, il y a de l'eau partout, on meurt, c'est logique, c'est la fin du monde. Tu vois, si tu me parlais de ça, de réchauffement climatique, et mieux si tu veux, là, bien sûr, ça justifie la fin du monde, ok. Mais si y a un mec qui se maquille, est-ce que ça veut dire que les gens, ils vont mourir tout partout, tout le monde... Je mets le highlighter, les gens, ils meurent. J'avoue, ils meurent, ils deviennent aveugles. Parce que le highlighter de Rihanna, passion. Mais serait fin du monde, fin des temps, inconscient, calme-toi. Détends-toi, bois de l'eau. Théo Doom qui dit: les mecs ne doivent pas se maquiller, sérieux, elle est passée où la virilité? Alors moi, ce commentaire-là de merde... Ah, ça m'énerve. Alors écoute, sache que... du maquillage définit pas la virilité d'une personne, ni sa sexualité, ni son orientation sexuelle, ni etc, 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 etc. Ça veut rien dire. Un mec parfaitement hétérosexuel, complètement viril, qui va à la salle, tout ce que tu veux, qui regarde le foot, demain il va mettre du highlighter, est-ce que ça va te poser un problème? Oui. Pourquoi? Parce que t'as un problème. Pas parce que lui il a un problème, peut-être que lui il se sent très bien dans sa peau. Et honnêtement, la plupart des personnes qui commentent pour me critiquer sur ma virilité, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau eux-mêmes. Donc je suis désolée de te l'annoncer, t'as un souci avec toi-même. Regarde-toi dans la glace, souris-toi, fais ton petit commentaire positif tous les matins, ça va peut-être te réanimer un petit peu ta bonne humeur, je sais pas, quelque chose. Moi je me sens bien dans ma peau. Et c'est pas parce que je me maquille que je perds ma virilité. Est-ce que j'ai screené ton truc avec toi là, Salra? T'es au doux. Taf Snooksh qui dit: espèce de PD de merde, c'est quoi ce monde? Les mecs deviennent des meufs et les meufs deviennent des mecs, le monde à l'envers. C'est déprimant, j'ai la flemme, j'ai même envie de te répondre, sis, wake up. Pour pas me fatiguer à le relire 8000 fois, j'ai mis genre dans une liste de spam le mot gay dans tous les orthographes possibles et imaginables, parce que évidemment je le reçois à toutes les sauces. Et là quand t'arrives dans mon truc de spam, bah y'a que ça. Y'a que ça. Gay, t'es gay, tu es gay, t'es gay, tu es gay. Mais pourquoi, c'est quoi ton problème à vouloir savoir ma sexualité? What the fuck? Il est gay, en plus vous savez même pas écrire G-U-A-Y. Comment, hein? Un peu d'orthographe. Oh, y'a que ça, c'est même pas drôle en fait, c'est même pas amusant. C'est même pas amusant à lire, en fait je pourrais vous clasher sur des trucs que vous auriez à dire. Shut up.
je pourrais être énervée par rapport à des trucs que vous me dites, mais ça m'énerve même pas, ça me frustre en fait, c'est encore pire, c'est encore ça m'irrite parce que vous m'énervez, genre ah bah si je suis énervée alors. Bref, tu vois, par exemple, vous serez en train de faire un commentaire constructif, une critique constructive, ou même une critique autre. Tu vois, moi je vois des fois des vidéos, je lis les méchants commentaires, il y a de tout. C'est varié, ça va à droite, à gauche. Moi j'ai un commentaire, vous savez dire que ça. Gay, fin du monde, gay, fin du monde. C'est pas bien, les garçons, ça doit pas se maquiller. Le monde à l'envers, nul. Vous dites que ça, changez de 10, trouvez un nouveau truc à dire. Dites-moi que le fond vert il était pas bien placé, c'était bizarre, je sais pas, un truc, quelque chose. Bon sang, que j'étais pas assez objectif avec Rihanna, que je puisse clasher, que je puisse répondre à des trucs fab. Là, j'ai même pas envie de vous répondre, ça me donne. Oh. En gros, moi je trouve que vous êtes pas du tout avancé mentalement pour l'instant pour comprendre que ça peut arriver. Et ça arrêtera pas le fait que je continuerai quoi qu'il arrive à me maquiller si j'ai envie de me maquiller. Vous avez un problème, il y a d'autres soucis dans le monde à gérer. Vous avez vos vies à gérer. Gérez vos vies à vous, gérez vos problèmes au lieu d'aller chercher, piocher chez quelqu'un d'autre. Et il faut arrêter de vous plaindre et de faire les victimes comme si vous étiez ah, c'est horrible ce que je vois. Tu vois, si tu veux pas voir, tu regardes pas. Si tu veux pas regarder ma vidéo, tu quittes la vidéo. Si ça te dérange qu'il y a un garçon qui se maquille, tu le laisses tranquille, il marche, il trace sa route, tu l'auras vu one split second et puis c'est fini. Voilà, laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Si vous avez peur de vous maquiller, les garçons qui regardent cette vidéo, maquillez-vous, vous en foutez. Achetez-vous un pinceau, achetez-vous un highlighter, mettez-vous un petit peu, ça vous fera du bien. Et vous aussi, les haineux qui regardent cette vidéo, allez faire un tour à Sephora. Qui ça ne pose pas de problème, je suis désolée de vous avoir fait voir ça, mais voilà, fallait que je réponde. Et aussi, gardez le message en tête. Et s'il y a des gens qui vous font chier à l'école par rapport à ça, mais voilà, je devais faire une vidéo pas sérieuse, ça devait être bon enfant, mais c'est parti en couille un peu, je suis désolée. Voilà, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler, moi je serai là pour vous. Mais de toute façon, il ne faut pas les caler, il ne faut pas caler à ces gens. Plus vous leur donnez la puissance. Là, je vous ai trop donné d'attention, je vous en donnerai plus. C'était vraiment un réglage que je devais faire, mais après, plus jamais, je porterai attention à vos pia pia piou. Pia pia piao. Because ew. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout et que vous avez retenu quelque chose de bon sur le message. S'il y a quelqu'un qui avait un problème avec le fait que je me maquille et à qui ça a changé son opinion d'ici la fin de cette vidéo, j'espère que ça a marché, j'espère que j'ai réussi à faire réfléchir. Ou peut-être que même pas vous, peut-être que maintenant vous pensez que vous avez rien retenu de ça, mais que plus tard ça vous viendra, je l'espère en tout cas. Mais sachez que moi je vous aime fort, j'aime toutes les personnes qui me regardent. Et même les personnes qui me détestent, je vous aime parce que vous continuez à me faire vivre malgré tout. Thank you very much for the views. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si elle vous a plu, mettez bien un pouce bleu, lâchez un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!